Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous partons de la cascade de l'Appel pour aller en direction de la Chartreuse de Vaucluse pour revenir par les grandes falaises. Alors ça, c'est super joli à voir, cette racine qui a poussé sur des roches. Et je pense que les racines ont dû protéger de l'érosion, ce qui fait que ça fait un plein œil. On voit bien les strates. C'est incroyable. Tiens, regarde la racine qui descend, tu vois. C'est elle qui a retenu. Elle a retenu les choses. Eh oui, les racines, elles retiennent bien toutes ces pierres. Hein. Voilà, on est reparti tranquillement sur le retour. Alors, on espère que les falaises en face vont montrer leur nez au soleil. Pour les prises de vue, c'est quand même bien. Alors, j'adore ce coin-là. C'est souvent là qu'on voit des chamois qui courent sur cette berge. On voit qu'il fait beau parce que ça fait deux bateaux qu'on voit et deux kayaks. Alors on remonte un petit peu, une légère brise de nord. Et après ce virage là, et ben on tombe dans la baie de la Chartreuse de Vaucluse. On n'ira pas jusque là aujourd'hui. Ouais. Bon, on peut y aller alors. Bon, elle a décidé, les 57 chevaux en action ont décidé d'y aller. Voilà, on remonte toujours là. Toujours une toute petite brise qui est bien agréable. Et on va attendre que les fameuses falaises là-bas soient au soleil pour les longer. Ce sera beaucoup plus joli pour les prises de vue. Ben, nous arrivons maintenant dans la baie de la Chartreuse de Vaucluse. Nous avons établi la jonction et nous allons faire demi-tour. L'autre jour, il y avait tellement de vent. On ne pouvait pas continuer. Et là, on est parti du barrage, donc derrière le barrage, à la mise à l'eau de lait. Lec, on dit, ou lait, je crois qu'on dit lait. Et là, ma foi, on a fait la jonction. Donc on aura navigué la moitié du lac en deux fois. On va aller faire les grandes falaises au fond en attendant qu'elles aient le soleil. On va pas aller à l'ombre, on va faire demi-tour dès qu'on aura passé la jonction. On va regagner tranquillement le départ. C'est ici que nous faisons demi-tour. Et on va aller en face pour revenir au barrage. Voilà, toujours sur le retour. J'ai quand même un gros doute là-bas, sur les grandes falaises là-bas. Je pense qu'elles ne seront pas au soleil, parce que vu la position du soleil et la position des falaises, et le couvre-feu, on sera obligé de partir, de passer avant à l'ombre. Allez, on va bientôt attaquer la ligne droite de ces belles falaises qu'on adore. Il y a un beau soleil, c'est de la folie. D'abord, il n'y a pas de vent. Hein. Pour une fois, la météo était bonne. C'est quand même fascinant, hein, tous ces rochers, tous ces amalgames de cailloux. Alors on est repassé à l'ombre là, on sent tout de suite la fraîcheur. Hein. On voit bien qu'il n'a pas fait chaud cette nuit ici. Ouais, ouais, on va en voir un petit peu là-bas. L'érosion des berges est venue à bout de cet arbre. Le soleil est pas loin, vous voyez, il pointe son nez. C'est un bel arbre, hein. Un leurre. Oh punaise, oui, il y a un leurre. Oh, ça y est, elle a trouvé un leurre. Eh, faut le faire. Il y a un leurre en haut. Eh ben, c'est pour la pie. Nous avons une pie à bord du Bornéo. Un leurre.
Regardez quand je vous dis que ma femme c'est une pie. Il y a un arbre. Attends. Il y a un arbre. Et là, elle va choper un leurre. Elle est morte. Un petit bébé leurre. Tu peux l'arrêter de bouger parce qu'on dirait un pendentif. Ah oui, un bébé leurre. Vous voyez, moi j'y bravo. Alors là, les berges sont à l'ombre. Il est 14h et quelque chose, 14h15. Non, non, il fait bon, on n'a pas froid. On va bientôt rattraper les falaises. Alors regardez, là, on aurait dit un chevreuil. Tout de suite, j'ai cru que c'était un chevreuil qui nous regardait. Franchement, on dirait un animal. Hein. Ah ouais, dingue. Et puis au fond, là-bas, oh ouais, on voit les falaises au fond qui se rapprochent. Oh, ça va être top. Le soleil nous fait un clin d'œil. Bon, elles sont à l'ombre, tant pis, mais alors qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh là 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 là. C'est du gigantisme. Ah oui, il y a une grosse roche qui affleure. Là, je l'ai. Elle est belle. Voilà, on va longer. Oh, regarde, on dirait que c'est brumeux sous les falaises. On dirait de la brume. Alors, avec une méga racine ici. Voilà, le gigantisme du lac, c'est ici. Ce sont les plus grandes falaises sur le lac de Vouglans qui existent. Nous sommes rive gauche. Regarde un peu quand on va passer au bord là-bas, comme c'est joli. Ah oui, ils sont là-bas les kayaks, ils reviennent seulement, tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est beau. Le gigantisme du lac. Alors là, c'est grandiose. Il manque que le petit rayon de soleil pour que ce soit le summum. Et regardez ce décor qu'on a là. Oh là 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 là. On commence le grandiose. Ça, c'est toute l'histoire du lac. Regardez ça comme c'est grandiose. C'est pour ça qu'on aime tant ce lac. Regardez ça. Regardez ce décor qui arrive. Regardez. Voilà. On voit ma tête, ça défrise avec le cadre. Hein. Mais au moins, on peut voir de belles choses. Les belles choses du lac. Hein, Valou, t'aimes bien le lac? Oui, c'est beau. J'adore. C'est une journée relaxante. Elle adore le Jura. Elle est tombée amoureuse du Jura. Voilà. Elles sont tellement hautes qu'elles nous masquent le soleil. Et il y en a qui ont le courage en face, ils sont en paddle. C'est de la folie.
Là, il faut que je zoome un coup sur la falaise en haut parce que elle est vraiment... Elle déborde vraiment dans le vide, celle-là. Regarde, regarde ça. Alors, quand je vous disais que les falaises sont énormes, regardez ça. Regardez le haut de la falaise. C'est gigantesque. Gigantesque. Oh, je crois que je vais me renverser. J'ai l'impression que je vais... Ça me retourne la tête. C'est incroyable. Ah ben là, ça descend à pic. Hein. On voit de la brume là-bas. C'est dément. On se demande combien ils tiennent. Regardez ces belles racines. On dirait une pieuvre. On dirait vraiment une pieuvre. On poursuit notre périple dans la falaise. Ouais, celui-là, là, il a pas grand-chose à faire pour descendre. Ouais. Celui-là, il va finir dans le gâteau. On peut dire que c'est bon. C'est un calme olympique. Hein. Il est phénoménal. De toute façon, c'est le côté le plus gigantesque du lac. Hein. Regardez ça. On frôle les cailloux. Il y en a qui font du tourisme en ce moment sur la route. Alors là, celle-là, elle a dû descendre d'en haut. Ça, c'est sûr. La chute qu'il a fait, lui, il a dû aller se planter dans le fond. Ah ouais, c'est incroyable. Celui-là aussi, hein, il a eu un petit malaise. Hein. Il est tombé du haut.
Regardez ce rocher là, on dirait qu'il est posé sur une sur une stèle, celui-là là. Oh là 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 là. Non, celui-là là qui arrive, voilà. Oh, ce rocher dedans. Oh là, il y a des tonnes. Puis il est décollé de la montagne, on y voit, hein, donc. Tu tombes pas s'il te plaît, parce que ce serait notre dernière prise de vue. Oh, c'est grandiose. C'est grandiose. Regardez ça. Incroyable. On voit bien les fissures, hein. On voit bien les fissures. Là. C'est gigantesque. Il y a plein de monde aujourd'hui qui s'embarque dans la reculée de la pelle. Regardez ça, les arbres au-dessus de nous. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Ah, j'ai raclé la falaise avec la rampe. Alors là aussi, je vais vous montrer une grande fissure. Ça demande qu'à basculer. Si ça s'inverse, j'imagine la petite vague que ça va faire. Puis on aura plus mal aux dents. C'est ça, elle s'est décollée de la montagne. Toutes ces roches qui nous dominent. Ah, quand on est en face sur la route, on voit pas tout ça. Hein. On voit pas tout ça. Là, là, mais c'est dingue. Là, on va bientôt arriver au bout des falaises. Quelle journée! Mais quelle journée! Voilà! On va retrouver le soleil. On va encore voir de belles roches de l'autre côté. On va voir le fameux rocher, tu sais, qui est posé où on peut faire le tour. Ah oui, elle émerge là. Tiens, elle nous guette sous l'eau, celle-là. Ah, le soleil, qu'est-ce que c'est beau. Dès qu'on arrive au soleil, c'est magnifique. Elle est là-dessous. Elle nous guette. Voilà, on quitte ce point splendide. Oui, oui, mais on va arriver vers la fameuse roche, tu sais, où on peut faire le tour derrière. Voilà, regardez, là, on arrive dans un endroit idyllique. Regarde, c'est celle-là que je t'ai dit en haut. Allez, regardez ce rocher. C'est pareil, celui-là, il est posé sur une stèle. Décor, toujours ces décors magnifiques. Voilà un endroit idéal pour planter la tente le soir. Ah, les couleurs, j'adore. Franchement, c'est beau. Et elles sont au soleil, tu vois, là, celle-ci. C'est tout de suite plus joli, hein.
Regarde là, le décor. Regardez les amis, on vous emmène avec nous. Regardez l'eau qui danse sur la roche. Les reflets de l'eau qui danse. C'est tout ce qu'on aime. Regardez ça. Les reflets de l'eau sur la roche. Ouais, tu vois, ouais. Regarde là, c'est joli. Regarde là-bas, pareil, celui qui ravance. Le coin est somptueux. Franchement. On va passer dessous là. Allez. On passe dessous. Je rentre la rame. Pour éviter d'aller faire des conneries. Regardez ça, les reflets. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. Spectacle du lac en toute sa splendeur. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est incroyable. C'est loup blanc, moi je vous le dis. Les chasseurs, non? Ah, ils pêchent le sciure. Il y a des pêcheurs. Ben ouais, il me semble, je sais pas. Je croyais que ça ouvre en mars, mais... Qu'est-ce que c'est beau. C'est top, hein, franchement. Le top aujourd'hui. Alors là, on retrouve les berges dites normales du lac. Et tout au fond, là-bas, dernier virage, dernière courbe à droite, et le barrage se trouve à 1 km derrière. Là, on est bientôt arrivé au terme de notre étape, hein. On arrive bientôt dans la dernière courbe. Avec un petit vent, ouais, qui s'établit. Ah oui, de face, mais c'est pas gênant. Bon ben voilà, on arrive derrière le barrage. On va bientôt sortir de l'eau. C'est une superbe journée sur le lac, franchement, un temps magnifique. Ben voilà, on arrive, hein, tranquillement. Il nous reste 300 mètres à faire. Oh, quelle journée!